je vous présente Cotoneaster damneri Coral Beauty. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce petit Cotoneaster que j'ai réalisé, je pense, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 7 ans. Donc voilà, c'est un arbre qui fleurit abondamment. Il y a beaucoup en ce moment, tous ces petits fruits qui sont en train de se former. C'est une variété intéressante. Floraison, fruits, petit arbre, ça va vite. Voilà. Donc, comment obtenir ce genre de résultat rapidement et avec quoi? C'est un Cotoneaster damneri Coral Beauty. Moi, je le trouve sympa, intéressant, parce qu'il y a une petite feuille assez jolie, belle couleur. Il y a des variétés de damneri qui ont une couleur beaucoup plus foncée que celui-là. Il est très florifère, donc ce qui le rend intéressant. Comment obtenir? À partir de boutures ou d'arbres jetés en pépinière. C'est un arbre qui se bouture très bien. On les trouve souvent dans de très grands talus. Et c'est un couvre-sol qui est très utilisé dans les talus, sur les autoroutes, sur les bords des routes. Moi-même, j'en mettais dans les grands talus au pied des arbustes de fort développement pour qu'ils s'étalent bien dessous. Voilà, pour en dire un peu plus sur le Cotoneaster. Ce que je vous conseille, des arbres comme ceci. Alors, j'en ai pas venant de la pépinière. Ça, c'est ceux de l'année dernière. Donc, voilà, en un an. Quand on les achète, vous voyez, ça, il y en a partout. Il faut qu'ils aient cette taille-là quand on les achète. Ok? Et en fin de compte, ça fait un gros bouquet. Vous voyez? Et alors, quand on peut les ligaturer. Donc, on les ligature. Ou, si la forme le peut, comme celui-ci, vous voyez, j'ai des mouvements assez prononcés sur le tronc, je n'ai pas besoin de ligaturer. Okay. Par contre, j'ai laissé une branche, un tire-sève, de façon à me grossir la base. Voilà. Là, je vais vraiment laisser grossir. Je vais le laisser encore un an ou deux. Vraiment faire un gros pied, quoi. Et après, on la coupera. C'est une branche sacrifice, disons. Là, c'est pareil. Là, c'est pour faire grossir la plante et faire du tronc. Au fur et à mesure qu'il se développe, vous voyez, vous retirez les branches qui poussent trop à la base, quoi que vous pouvez en laisser pour faire grossir au départ. Mais vous laissez des branches assez fortes comme celle-ci. Ou celle-ci. Celle-ci peut-être pourra faire une première branche. Voilà. Et on enlève surtout les branches qui partent dans les mauvaises directions, les branches opposées et qui sont dans les arrondis. Les branches qui poussent de l'intérieur verticalement. Voilà. Les petites pousses comme ça qui poussent à la base d'une branche horizontale, on les supprime. Vous voyez, pas besoin d'outils, il suffit de tirer dessus. Hein? Là, on a trois branches qui se trouvent être au même niveau. Vous en avez une au-dessus, ici, de celle-ci. Donc celle-ci en dessous, vous la supprimez. Là, maintenant, il ne nous en reste plus que deux. Et bien, pour l'instant, je vais conserver les deux. Je ne sais pas encore, une branche coupée. Ok. Donc celle-ci, pour l'instant, je vais la conserver. Je ferai peut-être partir un bourgeon à sa base. Ou je mettrai un fil, ça dépend. Si je travaille au ciseau ou si je travaille avec de la ligature. La première ligature, je pense que là, aujourd'hui, on doit pouvoir la retirer. Ça fait un an qu'elle est dessus. On ne voudrait pas que l'arbre soit trop marqué. Donc maintenant, je vais la retirer. Par contre, la ligature elle a été proposée quand j'ai taillé l'arbre sévèrement pour avoir une seule ligne de tronc. On peut faire des arbres avec deux lignes de tronc. Donc vous voyez, ceux-ci ont été déjà rabattus l'an dernier directement. Là, j'ai un double tronc. Mais bon, peut-être que celui-ci, il va falloir que je le ligature et que je le fasse suivre un petit peu celui-là, dans le même mouvement, peut-être un peu plus avant, mais que je lui donne un peu de mouvement. Il est encore souple, donc je peux encore le faire. Celui-ci, j'ai un petit double tronc, un tronc plus gros, un tronc plus petit, et je vais peut-être même rabattre celui-ci un peu plus bas, quoique
c'est peut-être plutôt celui-là que je vais faire beaucoup plus haut. Voilà, là, faire un peu plus grand. Comme celui-ci. Celui-ci, dès le début, nous l'avons rabattu dès la base. On avait un départ très intéressant juste à la base. Donc, nous avons fait une grosse section ici, car certainement ici aussi, au-dessus, c'était beaucoup trop raide et difficilement pliable. Donc, l'arbre était déjà gros, puisque celui-là, il date de l'année dernière. Donc, vous voyez, la pousse, on avait déjà laissé pousser l'an dernier. J'ai rabattu pendant l'hiver et l'arbre refait une nouvelle pousse. Voilà, très vigoureuse. Il va falloir maintenant faire le tri dans cette pousse. Garder les branches que l'on conservera pour faire les paliers et toutes celles qui sont inutiles, les enlever pour éviter des malformations de développement. Là, on est sur la deuxième année. Donc, vous avez vu un an après la taille. Là, c'est 2 ans après la première taille. Donc là, on avait déjà une préformation, on avait déjà formé à la ligature la ligne principale. Et on avait conservé les branches que l'on voulait pour faire les plateaux. Aujourd'hui, on a rabattu de nouveau. Il se redéveloppe trop de branches. Il va falloir donner de l'identité à votre arbre. Donc c'est là qu'on commence la première formation qui va nous permettre de compacter notre arbre. Ce que l'on veut, en fin de compte, c'est un jeune arbre, hein, qui doit avoir, je pense que bon, c'est un arbre qui a été produit en pépinière. Quand je les ai acquis, il devait avoir 2 ans, je pense, de bouture. Peut-être moins, parce que dans les pépinières, il faut dire qu'ils forcent beaucoup les arbres. Bien que moi, je les force bien un petit peu aussi. Car pour avoir de la pousse comme ça, il faut quand même les nourrir. Sinon, ça ne marche pas. Personnellement, j'utilise de l'osmocote. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas trop pour les engrais chimiques, si vous avez peur de ne pas les maîtriser, je vous conseille d'utiliser un engrais organique. Vous voyez, là, cet arbre-là, donc, il est de l'année dernière, j'ai laissé un tire-sève pour faire grossir le tronc. Là, j'ai fini un peu d'éliminer tout ce qui était inutile, j'ai gardé quelques branches. Il y aura certainement quelques réajustements, pas forcément, parce qu'on peut peut-être construire l'arbre entièrement en ciseaux. Dans ce cas-là, les réajustements, on les fait en fonction du bourgeon, de la direction dans laquelle il part. Et dans ce cas-là, ça se fait tout seul automatiquement. Beaucoup d'arbres, j'ai construit comme ça, ça s'est construit entièrement en ciseaux, il y a juste ligature sur le tronc et peut-être, et encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait des ligatures, oui, il y a eu quelques ligatures sur les branches primaires. Donc là, on aura un petit double tronc, il va y avoir certainement une petite ligature, c'est cette branche-là. Ça, ça va être la tête, donc on va commencer déjà à la travailler, doucement. Ça va peut-être y laisser un peu comme un tiercé, bon, je vais juste le plumer un peu à la base. Ça va servir à nous faire grossir un petit peu cette partie-là. On va tailler. Voilà. Et on commence à construire notre arbre au ciseau. Et encore, je ne suis pas sûr de garder ça. Je vais peut-être le raccourcir un peu par rapport à l'autre. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire avec celui-là. Bon, en fin de compte, quand on fait un bonsaï, hein, on doit préparer notre arbre et donc couper à différents endroits, car en général quand on les achète ils ont beaucoup de branches comme ça, hein, vous l'avez déjà dit, et donc il faut couper, ben, on coupe, voilà. on coupe toutes les branches partout, ici, 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 voilà. Ici, on coupe ici, et alors là on coupe ici, on coupe ici, 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 c'était juste ici, voilà, donc vous avez compris, sans de plaisanterie, je reprends. Alors, hop, donc là, je vais commencer les plateaux ici, parce qu'on est un peu en tête, on va enlever tout ce qui est en trop, les branches toujours à la base des autres, des charpentières, voilà, on enlève s'il y en a trop, si ça part dans les mêmes directions, pareil, si ça part en dessous, on enlève, voilà. Ça, on va le garder, on peut y toucher.
On laisse quelques tirs sèvres qui vont forcer un petit peu et le faire grossir. Voilà. Donc là, il a 2 ans depuis la première taille. Donc taillé souvent avant l'hiver et retaillé donc maintenant. On peut le tailler aussi en fin d'hiver. Alors là, déjà, bon, on élimine aussi quelques branches. Toujours pareil, même principe. On retire les branches et les bourgeons qui se trouvent à la base des branches et ceux qui se trouvent en face. Sur un bonsaï, on évite les notre père. Celui-là va se construire très très vite. Celui-là, il prend la forme assez rapidement. On commence déjà à avoir quelque chose de sympathique. Enfin, je vous dis que c'est rapide. Voilà, on va laisser un peu le reste. Donc, je pense qu'il est bien. On va laisser un peu le reste. Vous voyez? Voilà, 2 ans. Après la première, le premier travail, première ligature, première taille. D'accord? Donc, à partir de ce sujet, ça, c'était des boutures que j'ai fait. C'était des boutures 3 ans. Voilà. Vous voyez, donc, rapidité quand même. Ça fait maintenant 4 mois qui s'est passé depuis la taille que vous avez eue précédemment. Oui, ils ont énormément tigé. Maintenant, on va revenir en arrière parce que je pense que si on laisse trop, si on laisse plus longtemps, on va créer à ces endroits-là, dans les intersections, avec des branches aussi fortes, on va créer des déformations qui ne seront peut-être pas esthétiques dans l'avenir. Donc il va falloir éviter, il faut essayer de gagner en conicité maintenant dans les branches. Donc on va enlever toutes les grosses figures. On pourra éventuellement conserver, tout dépend ce que l'on veut faire, si on veut faire grossir le tronc ou pas. Donc je vais faire des différentes expériences. Vous voyez, celui-ci, je l'ai taillé il y a 15 jours. Ça c'est une bouture qui était un petit peu difforme, c'est dommage, j'ai une racine ici. Mais voilà, j'ai voulu tester justement sur celui-là pour voir comment il réagissait si je le taillais au bout de 3 mois. Et donc vous voyez déjà, on voit bien un île en train de redémarrer. Voilà. Donc voilà, on va commencer par celui-ci. Donc vous voyez, un tir sève comme ça commence à grossir énormément sur une branche qui commence à être sympa. Il commence à avoir des jolis mouvements. Le problème, c'est que ici, si je laisse ce tir sève, il va me faire grossir énormément trop la branche à ce niveau-là et je risque d'avoir une grosse déformation. Donc ça, je veux absolument l'éviter, sinon on sera obligé de revenir encore plus loin en arrière. Et là, je vais essayer de faire un gros plateau. Et on va laisser un tir sève qu'on va nettoyer ici. Et ce tir sève va servir juste à faire cicatriser ce que je viens de couper. Voilà, je nettoie les petites brindilles, les trucs pas très jolis en base. Tout ce qui est en base ici, je nettoie. Là, on commence à essayer de dessiner le tronc. Là, on évite les déformations. Tout ce qui peut déformer le tronc, tout ce qui peut déformer les branches, tout ce qui n'est pas à sa place. Quand on commence à sélectionner les bourgeons, on retire tout ce qui n'a pas lieu, tout ce qui ne sert à rien. Alors là, j'ai 2 branches en croix. Je vais retirer celle-ci. Donc quand on a des branches comme ça, en roue de vélo, on va dire, hein, donc on en a plusieurs, il faut absolument en retirer, puisque sinon, ici, on crée une déformation qui devient très inesthétique dans l'avenir. Donc il faut absolument éviter ce genre de configuration. Là, on va retirer celui-là. On va tailler la branche pour que ça bourgeonne à la base. Et celui-là, pour l'instant, on va le laisser. Voilà, le but de tous ces tirs sèvres, c'est de faire grossir la plante au niveau des branches, au niveau du tronc, mais en faisant attention qu'il soit bien positionné. Il faut faire un équilibre, de façon à ce que ça ne produise pas de déformation dans la plante au fur et à mesure de sa croissance. Voilà, donc là, on a travaillé court,
Il est clairement fondé, il aurait démarré vite, mais il restera petit. Celui-là, on va essayer de le faire grossir un petit peu plus pour faire, pour accélérer un petit peu. Il est un peu droit par contre, ce qui est dommage, mais bon, on peut faire quelque chose quand même de sympa avec. Alors celui-ci, là on est dans quelque chose de plutôt sympa. Là je peux peut-être essayer de commencer à le former. Vraiment, là on a de la conicité. Bon, le tronc, on pourrait les peut-être encore laisser grossir en laissant un tire-sève peut-être à ce niveau-là. Par contre, celui-là, il faut absolument que je le retire parce qu'il risque de me déformer ma base, la branche de bas. Donc, on va voir, on va y réfléchir. Ça, celui-là, il faut absolument que je le retire, sinon ça ne va pas le faire. On va essayer de faire cette tête aussi. Et avec tout ça, éventuellement, hein, toute cette coupe, hein, après, on peut toujours faire de la bouture. Hein. Ça prend. Vraiment bien. J'ai peur que ça déforme trop la base. Donc on va le retirer. Puis je l'aime bien comme il est celui-là. Donc on va commencer à le travailler. Et là, tout ce qui va en dessous, on enlève. Lui on fait le compte raccourci tout. On revient en arrière, partout. On essaye de faire en sorte que de faire en conicité. Et puis vérifier et nettoyer toutes les bases. En fait, compte, il n'y a pas besoin de branches à la base. Bon, on veut de la densité, mais pas trop bas non plus. Il faut dessiner une silhouette quand même. Quand on a des départs en double comme ça, alors qu'on a déjà moins de branches là, on les retire. Tout ce qui est bien en dessous, tout ce qui part en dessous, on retire aussi. Voilà. On commence à éclaircir pour que la lumière rentre bien partout. Et je pense que ce petit tire-sève, on va le conserver. Il va faire grossir un petit peu la base de la branche ici, qui nous intéresse beaucoup. Il n'est pas trop fort, donc voilà, il va aider un peu. Là, on essaie de créer un peu l'équilibre. Bon, il va falloir laisser encore certainement pousser par là, je pense. Ou alors, ça fasse avec par là, tiens. Pourquoi pas. Hop, ça c'est pas mal. Ouais, la face, elle est pas mal de ce côté. Bon, au potage, il va y avoir un travail sur les racines à faire. Mais c'est pas mal. Donc celui-là, alors on a dit on laisse un peu de choses, on va enlever juste celui-là là. Et celui du bout pour pas que ça grossisse trop dans le bout, on va laisser un petit peu à l'arrière. Vous voyez, il faut pas hésiter de faire le ménage sur, en fin de compte, qui ne sert à rien. Toutes les petits bourgeons qui sont en base comme ça, qui n'ont aucun rôle, ni esthétique, ni garder la plante en santé, qui risque même plutôt de déformer la plante, on les retire. Voilà, donc là, celui-là, si je retire celle-là, encore, je vais garder celle-là, mais celui-là, je retire. Tire ces verticaux, c'est jamais bon. Ça fait jamais du bon boulot. Voilà, donc celui-là, ben, je pense que je vais le laisser ainsi. Voilà. On peut faire des travaux différents en fonction du résultat que l'on veut. Là, j'aimerais que ça grossisse un petit peu plus. Voilà. Et peut-être, je vais peut-être même faire des petites carrières dessus. Alors, on va faire celle-ci. Donc là, on va faire celui-là. Il commence à être sympa. Par contre, j'ai dit, c'est un peu trop puissant en haut. Je vais en laisser peut-être un petit peu plus en bas. En haut, je vais arrêter la croissance sur le haut. Je vais plutôt commencer à construire ma tête. Donc, on enlève le tire-sève, on va tirer totalement. Ça construit sa tête. Il ne faut pas hésiter, il est court. Alors, on investit pas vraiment dans une direction qui ne nous intéresse pas. Comme ça. Et pareil, toujours, on enlève vraiment le truc inutile. Qui n'apporte rien à la plante. On va voir, on va réfléchir. Je vais voir, je vais peut-être le laisser en tant que tire-sève. On va essayer. On va laisser qu'un. Voilà, et on va laisser celui-là. Voilà. Le but de laisser quelques tire-sèves, c'est juste question de faire grossir un peu plus vite les branches. Voilà. De leur donner un peu plus de diamètre. Là, par contre, peut-être donner un peu de mouvement.
c'est d'autres techniques qui permettent de faire grossir un peu plus vite le trou. Voilà. Là, en utilisant cette technique-là, le tronc va grossir beaucoup moins vite que sur cela. Alors après, quand on va ramasser tout ça ira très très vite aussi. Un peu plus long pour reconstruire les arbres comme celui-là, parce que là je vais faire du tronc, là un peu plus rapide, mais ça va être beaucoup plus petit. Voilà. Donc voilà, vous voyez, encore un, donc où je laisse un peu de tire-serre. Je pense qu'en fin de compte, il faut tout ce que je touche, parce que franchement, ma crainte, même si on dit, même si on pouvait recouper plus tard, ma crainte c'est les déformations. Pour faire des petites plantes, hein, il faut qu'elles aient un maximum de finesse dans le travail. Donc on va éviter des grossièretés, hein, n'est-ce pas? Voilà, de faire des plantes grossières avec des gros moignons, ce ne serait pas le but. Étant donné qu'on va faire des petites plantes, il faut que les détails soient là. Donc on va tout commencer. Si je voulais faire des grosses plantes avec, il faudrait que je les mette en pleine terre. Et là, on laisse pendant plusieurs années et on fait du tronc. Là, c'est pas le but, hein. C'est pour faire vraiment du mamé, ou du chouïne, hein, au choix, mais qu'il soit sympa et rapide. Puis surtout, il s'y prête tellement bien que pourquoi faire des grosses plantes avec, hein. Si on ferait tout, c'est qu'un arbuste. Donc voilà, là, celui-là, je vais quand même enlever ça parce que ça risque de déformer beaucoup à cet endroit-là, et là, je veux pas que ça déforme. Donc là, ce qui monte, j'enlève. On commence à dessiner notre futur arbre en fin de compte. C'est de se projeter sur son avenir, comment on va le construire. On essaye de lire l'arbre, hein, et voir ce qu'on peut faire avec. On commence par sa ligne de tronc, hein, et puis voilà, donc là, voilà. Là, je pense que on va laisser un peu grossir. Ça risque de déformer trop. Il faut que j'enlève. Là, pour en faire plus, parce que j'ai fait beaucoup de cicatrices, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai pas grand chose pour construire, donc je vais laisser grossir. Alors, ici. Puis là, on voit pas bien ce qu'il y a à la base. On peut faire un arbre assez court, je pense. Je pense qu'on peut faire un arbre assez court. Ça peut être intéressant celui-là. Tout ce qui est en base, elle mange très basse. Et là, elle a une grosse boule. Vous voyez, regardez, là, elle a une grosse boule. Je peux peut-être la virer, c'est pas terrible. Pour ça, je vais virer. Toc. Et alors, je vais le faire beaucoup plus court. Ah, attendez, je vais faire la main avec celui-là. Voilà la main. Donc là, j'ai vraiment le. J'hésite quand même. On va nettoyer avant. Ici, là on va les laisser pour l'instant. On va laisser prendre ça. Voilà, je fais 2-3 tirs sève. Je vais pas construire quelques branches. Et on va faire une tête là. Et je pense que celui-là c'est trop. On va voir comment ça va réagir, on va voir comment ça va bourgeonner. Voilà. La suite, on la verra au printemps. Hein. Je vais certainement faire des boutures avec tout ça. Voilà. Hop, un de plus. Allez, au suivant. Donc celui-là, ah ben ça fait du monde de fées déjà. Hein. On a déjà du monde de fées. Celui-là, je vais le laisser comme ça, j'avais dit. Bon, juste qu'il y ait un trou là, je n'ai pas vu. Voilà. Et ben il en reste qu'un. Le voilà. Je cherche. Il n'y en a pas. Ah si, il y en a encore plein là. Ouh là là. Je disais, c'est bizarre, il me semblait bien qu'il y en avait plus. Alors là, celui-là, je vais enlever ça ici, là. Parce que ça risque de faire une grosse déformation en dessous ma branche que je ne voudrais pas. Voilà.
Attention, hein, vigueur c'est bien, ça fait grossir, hein. Mais voilà, si on veut faire des beaux arbres, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Par contre, si vous voulez faire des petits, je vous conseille de les maîtriser au maximum, de façon à ce que ça ne déforme pas vos branches. Là, on va tailler. Pour l'instant, on va laisser un tiercé. Là, on va commencer à construire. On va faire une grande branche. Là, on va laisser du tiercef. On va laisser quelques trucs. Ça, je pense que ça va sauter totalement. Mais pour l'instant, on va le laisser. Parce que là, on a une. Faut faire grossir. Parce que là, vraiment, à cause de la ligature, on a un rétrécissement qui est vraiment, vraiment pas joli. Donc, voilà. Et puis là, on voit, il y a une belle blessure. Ah ouais, remarque, je pourrais faire des scarifications éventuellement. Ouais, je vais peut-être le scarifier celui-là. On a des cicatrices là, là, là. Et donc on va sûrement, je vais le scarifier. Ça peut être sympa de le scarifier, ça peut être quelque chose à faire. Donc voilà, bon j'en ai encore une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Quand il y en a une qui n'a pas été pas trop taillée. Donc en fin de compte, ça c'est vraiment, en fin de compte dans le commerce, vous pouvez les trouver comme ça. Voilà. Ça c'est la forme dans laquelle vous allez souvent les trouver avec des humidités de l'herbe, juste l'humidité de l'herbe, fait que les racines sont en train de repartir. Voilà, donc regardez bien là, les racines commencent à démarrer sur la branche qui était cassée. Donc vous voyez, et juste parce qu'ils étaient dans l'herbe humide. Donc du coup, ils racinent facilement. Donc ça, on va le garder, on va le planter. Voilà. Donc voilà à peu près la forme dans laquelle vous allez trouver dans le commerce, c'est des fois dans des pots encore plus petits que ça. Hein, moi, ça, c'est moi qui les ai cultivés, ce qui en effet les boutures. Donc c'est pour ça que je connais bien la variété, je sais où je les ai pris. Donc celui-là, ben, je vais faire un double tronc. Alors là, vous voyez, j'ai deux branches l'une en face de l'autre, celle-là, elle est à l'intérieur. Celle-là, vraiment, et puis elle commence à faire une grosse patate. Hein. Donc je sais pas si on voit bien. Vous voyez, là, ça commence à faire une grosse patate à la base, donc ça. Je conserve pas. Fais attention, c'est une branche qui peut me créer des défauts sur la plante, donc on va éviter de la garder. Voilà. Donc là, je garde ce petit tiercève là, hein, une petite longueur. On va laisser grossir un peu la branche. C'est un peu faiblard pour l'endroit où on est, donc il faut vraiment la laisser tirer pour qu'elle grossisse un peu plus vite. Là, par contre, vous voyez, on avait un tiercève, donc du coup la branche. Le tronc a bien grossi. Maintenant, je vais essayer d'équilibrer, ou alors je peux laisser encore, mais vous voyez, je vais faciliter le démarrage de ce pays-là. Donc, je vais tout simplement, ça c'est important, si vous voulez redonner de la vigueur à cet endroit-là, vous nettoyez le tiercèvre sur toute la partie basse, comme ça. Voilà, ça va. Ça va lui enlever un peu sa vigueur. Et du coup, ici, ça va un peu prendre un peu le relais. Et ça va faire démarrer les bourgeons plus vite. Le fait de faire ça. Et l'avantage, c'est qu'en même temps, il fait grossir notre tronc. Et là, on va avoir un beau bourgeon qui va démarrer là, vers le haut. Donc ça, je vais l'enlever par contre. Voilà. Et on nettoie, comme je vous disais précédemment. Voilà, on nettoie les bourgeons qui n'apportent rien à la plante. Voilà. Donc on choisit les branches qu'on va conserver par le nettoyage des bourgeons. Voilà, on prend le pouce à l'index, on tire dessus et on nettoie toutes les bases de chaque branche. Et ils vont en refaire. On va recommencer ce travail-là régulièrement. Voilà, est-ce que je peux conserver la prochaine branche? Non. Voilà, donc là je pense que c'est pas mal. Ça pour l'instant on va le conserver. Je vais grossir un peu aussi là, ici par rapport à l'endroit où se trouve la branche. Elle manque un peu de diamètre. Donc là ça sera un double tronc. Je pense que la face sera certainement de ce côté. On verra par la suite. Là c'est pareil. Donc ça commence à tirer un peu trop. Donc là j'ai un bourgeon qui m'intéresse, qui fera l'endroit où je couperai, ça sera là. Donc je veux que ces deux bourgeons-là se développent. Donc, pareil que là,
je vais nettoyer toute la base du tire-sève de façon à redonner un petit peu d'énergie à cet endroit-là. Et ça ne vend pas. Par contre, celui-là, il m'intéresse. Donc, on va nettoyer autour. Ceux qui sont en face. Voilà. En fait, quand on choisit les bourgeons en fonction de la direction dans laquelle ils vont. Donc, je sais que celui-là va me tirer une branche. Il va aller dans cette direction comme ça. Voilà. Donc ça va me permettre de créer le mouvement. Voilà. Mais bon, certainement j'ai arrêté la tête par là. Voilà. Ok. Donc voilà un hein, avec juste où on laisse juste quelques tiercelles pour faire grossir. Vous voyez, donc je vais travailler les différentes techniques en fonction de chaque plante. Soit je taille complètement si l'arbre si la plante me plaît déjà comme ça, donc dans ce cas là ça veut dire que je l'arrête, ça veut dire que ça y est, je vais commencer, elle va commencer sa vie de bonsaï. Là c'est pas encore le cas, là pour l'instant on fait du tronc, on fait du tronc, on fait du tronc. Voilà, tiens là il est là mon mamé, celui-là il va être petit. Là alors donc là j'ai vraiment le mamé. Donc petit tronc, voilà, on fait vraiment un gros tronc, donc il y a déjà eu des grosses coupes, mais vous voyez ça commence déjà à bien cloisonner. Alors je pourrais éventuellement faire un petit scarif ici, ça pourrait être sympa, au lieu de faire une cicatrice ronde, enfin une cicatrice plutôt ovale, ça peut être plutôt cool. Voilà, ça va sûrement disparaître, mais pour l'instant je le laisse, je vérifie que ça ne se déforme pas. Ici, ça commence bien un petit peu quand même. Je crois que je vais peut-être la retirer quand même. Parce que là, on commence vraiment à déformer un peu à ce niveau-là. Et c'est un peu risqué. Par contre, elle y envoie quoi. Elle envoie, elle fait cloisonner. Mais bon, j'ai encore tout ça en haut. Donc ça, peut-être que je vais le laisser encore. Par contre, je vais certainement le plumer un petit peu pour transférer l'énergie ici. Voilà. Donc, hop, voilà, pareil, toujours, on nettoie les bases des branches, entre le pouce et l'index, on vérifie que le bourgeon ne sert à rien, donc celui-là, je vais le laisser, parce qu'il part bien à l'extérieur, cette branche-là, ben, je vais l'enlever, l'intérieur, ici, donc, elle ne m'intéresse pas. Hop là. Et là, on va essayer de faire démarrer ce bourgeon-là, voire même celui-là. Donc celui-là. Celui-là, on va faire la tête ici. Et donc tout ce qui est au-dessus de celui-là, on vire. Voilà. Du coup, le fait d'enlever tout ça et de laisser juste celui-là, c'est celui-là qui va prendre le relais. Alors bien sûr, il va pousser là-bas. Hein. Voilà, là, il faut empêcher de faire pousser. Du coup, on enlève de l'énergie à cette branche-là d'un coup. Et c'est celui-là qui va en prendre un peu. Tout d'abord, on doit en prendre, mais surtout celui-là. Hop. Ça, je vais le virer. Hein. Je vais le virer. Ça, vraiment, ça déforme trop mon tronc. Et là, je vais faire un petit scarif. Voilà, je déchire un peu le bois, comme ça. Hop. Voilà, je fais un petit scarif. Voilà, et on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je pense que ça, je vais le laisser pour la scarif. Et je l'enlèverai après. Et là, je vais enlever ça. Voilà. Donc, construction d'un arbre avec tir serré. Ok. Comme vous avez vu au début de la vidéo, vu comment ils ont poussé en 4 mois, on comprend mieux comment les ligatures peuvent marquer très très vite. Donc c'est pour ça que c'est vraiment risqué de laisser une ligature pendant un an sur ce genre de plante, parce que tout de suite ça marque. Alors après la solution, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a certains où je vais peut-être probablement, pourquoi pas m'amuser à faire des scarifications, et faire des choses
voilà, un peu blessés, comme des vieux petits arbres. Voilà, donc tire-sève, pas tire-sève, selon si on veut arrêter la plante. Hein, là, le but était d'arrêter la plante et de commencer à former l'arbre. Ou continuer à former l'arbre en laissant grossir avec des tire-sèves de partout. Et la construction de l'arbre viendra par la suite. Mais déjà, on fait une sélection de bourgeons, on choisit où on veut mettre les vigueurs. Voilà. Avec des petits tire-sèves, là, l'arbre est presque construit. On laisse quand même encore quelques tire-sèves. Mais on rabat un peu à l'intérieur et dans le bas. On rabat là où on veut arrêter les croissances. Et surtout, où on veut que ça se densifie. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Il y en reste encore un là. Alors, je vais juste le laisser là pour l'instant sur la table. Je vais récupérer, je le contrôlerai. Je vais mettre ça en terre pour la conserver. Sur, hein, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 petits bonsaïs qui vont devenir mamé. Il est possible que je les utilise aussi pour un Nishibuki. Je pense que même il y en a plusieurs qui iront dans des Nishibuki, puisque je vais préparer des formes cascades. Je vais peut-être voir, même s'il n'y en a pas d'autres que je forme en cascade, hein. C'est possible que j'en forme certains autres en cascade, comme celui-là par exemple. Ça pourrait faire une petite cascade pour un Nishibuki, justement sur le côté. Ce sera sympa. Voilà, donc des arbres qui seront pour le haut du rocher, et puis d'autres que je vais travailler pour les côtés du rocher. Donc, ça, certainement, je vais au moment du repotage le positionner en cascade. Donc, selon les formes, voilà, on verra où ils iront sur rocher. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais tenter de faire, pourquoi pas. Et franchement, ça sur rocher, ça va être super top, quoi. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, si vous voulez voir la suite, donc bientôt, ça sera le rempotage. Voilà. On se retrouve au printemps pour continuer, et on les rempote et on décide cascade, pas cascade. Voilà, on va réfléchir comment on les rempote, dans quel sens. Mais on fera ça au printemps, au mois de mars. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt.